Salut Hugo, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, vous êtes d'ailleurs peut-être en vacances cette semaine, si c'est le cas, eh bien profitez bien, je suis content pour vous, ça fait plaisir. On est parti de notre côté pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, avant de commencer, merci énormément pour tous vos retours concernant la vidéo de Rewind 2020 qu'on a postée hier sur la chaîne YouTube. Le lien est en description si ça vous intéresse, mais merci du fond du cœur pour tous vos retours. Honnêtement, j'ai jamais eu autant de retours sur une de nos vidéos, de gens qui disaient qu'ils avaient été émus, qu'ils avaient eu des frissons pendant toute la vidéo, etc. Du coup, merci pour tout. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à la voir. Et puis dans tous les cas, on continue à vous tenir au courant, évidemment, en 2021. Allez, on commence avec un premier sujet en France. Je voulais vous parler du concours Miss France qui a eu lieu ce week-end et des débats et polémiques autour de cette émission. Le concours Miss France, qui fêtait ses 100 ans cette année, a eu lieu samedi soir en direct du Puy du Fou, sans public logiquement à cause de la pandémie. Et c'est finalement Miss Normandie, Amandine Petit, qui a été élue par le public. D'abord, l'édition de cette année a beaucoup fait parler à cause de la déferlante de haine reçue par Miss Provence, April Benayoum, puisque la candidate a reçu de nombreux commentaires antisémites sur les réseaux sociaux après avoir révélé ses origines israéliennes. De nombreux politiques ont condamné ses propos, dont notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et une enquête pour injures à caractère raciste et provocation à la haine raciale a été ouverte par la justice. Bon, ça c'est pour l'actu sur le concours qui s'est tenu ce week-end, mais pour revenir plus largement sur le concours Miss France, il faut savoir que c'est un événement qui est suivi tous les ans par près de 7 millions de téléspectateurs, mais qui est aussi de plus en plus critiqué ces dernières années, et ce notamment à cause de ses critères de sélection jugés dépassés. En effet, pour vous donner une idée, les candidates doivent avoir entre 18 et 24 ans, mesurer au moins 1m70, compléter un test de culture générale, être célibataire et sans enfant, et ne pas avoir fait de photos dénudées ou partiellement dénudées. Les organisations féministes dénoncent donc chaque année un manque de diversité, ce qui peut renforcer des complexes chez certaines, et au-delà de ça, peut-être donner l'impression qu'on ne peut pas être considéré comme belle si l'on ne rentre pas dans ses critères d'âge, de taille, etc. D'ailleurs, au mois de mars, le Haut Conseil sur l'égalité femmes-hommes avait déclaré dans un rapport sur l'état du sexisme en France que ce concours dégradait l'image de la femme. Bon alors, pour l'instant, le concours continue d'exister sur le même modèle, avec les mêmes critères de sélection et de défilé en maillot de bain. On imagine mal TF1 se passer de cette élection Miss France, puisque c'est une audience qui est très importante, et donc derrière des revenus publicitaires qui aussi sont très importants. Mais donc faudra voir si les critères évoluent à l'avenir. En tout cas, j'annonce, c'est le débat du jour. L'élection Miss France a-t-elle encore du sens aujourd'hui? Pour voter, comme d'habitude, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet Communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour pour voter en un clic, ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Alors, en quelques instants, on va parler de cette variante du virus qui incite les pays du monde entier à prendre des mesures. Mais avant ça, rapidement, je voulais vous parler d'une affaire d'espionnage qui secoue les États-Unis. En fait, il y a une semaine, les autorités américaines ont découvert un logiciel espion caché dans un outil informatique appelé Orion et qui est utilisé par des dizaines d'administrations et entreprises américaines. Or, parmi les administrations qui utilisaient le logiciel qui a été piraté, il y a notamment les départements du Trésor et du Commerce, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense ou encore l'agence du ministère de l'Énergie qui est chargée de gérer le stock d'armes nucléaires, et donc c'est des documents qui sont souvent assez sensibles. Bon alors, pour l'instant, on ne sait pas exactement qui est derrière cette cyberattaque, mais selon certains médias américains, il s'agirait du groupe de hackers russe APT-29, un groupe qui aurait aussi en 2016 mené une attaque contre la candidate démocrate Hillary Clinton. Alors cela dit, c'est important de noter que la Russie nie toute implication dans ces attaques, et que plus largement, les accusations mutuelles entre les États-Unis et la Russie sur des affaires de cyberespionnage sont très fréquentes. De son côté, le président américain Donald Trump a minimisé cette cyberattaque en déclarant qu'elle était bien plus importante dans les médias fake news que dans la réalité, et qu'elle pouvait aussi avoir été lancée par la Chine et donc pas forcément par la Russie. Quoi qu'il en soit, la situation est prise très au sérieux par les autorités américaines et une enquête a été ouverte par le FBI. Le président élu Joe Biden a même promis de faire la question de cette cyberattaque une priorité dès son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier, avec le coronavirus évidemment. Autrement dit, donc, vous l'aurez compris, on vous tient au courant dans les jours à venir dès qu'on a du nouveau. Alors, c'est à la une de cette vidéo aujourd'hui. Logiquement, je voulais vous reparler de la variante du Covid-19 détectée au Royaume-Uni qui inquiète de plus en plus l'Europe, si bien qu'elle prend des mesures importantes ces derniers jours. En fait, cette mutation ou variante du virus a été détectée dans le sud-est de l'Angleterre il y a une semaine, et en décembre, elle serait tout simplement à l'origine de 62% des contaminations à Londres. En fait, pour l'instant, rien n'indique que cette nouvelle variante du coronavirus tue davantage que les formes qui circulaient jusqu'ici. Par contre, ce qui est sûr, selon les autorités britanniques, c'est que cette variante se propage beaucoup plus vite, environ 70% plus vite que les formes qu'on connaissait actuellement.
actuellement, si bien que le nombre de contaminations explose ces derniers jours dans la région autour de Londres. Alors pour éviter une saturation des hôpitaux dans les jours à venir, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé des mesures assez drastiques dans trois régions, notamment Londres, et dans ces trois régions qui concernent environ 20 millions de personnes, il y a tout simplement un reconfinement et l'interdiction des réunions familiales à Noël. Par ailleurs, pour éviter une propagation de cette variante en Europe, plusieurs pays comme les Pays-Bas, la Belgique ou encore l'Allemagne ont suspendu leurs liaisons d'avion et de train avec le Royaume-Uni. Et de son côté, la France a annoncé une suspension des liaisons avec le Royaume-Uni pendant au moins 48 heures, le temps de se coordonner avec les autres pays européens et de trouver une mesure qui s'applique pour toute l'Union européenne. Enfin, il faut bien noter, c'est important, que l'Italie a détecté hier un premier cas de contamination par cette variante du Covid. Et de notre côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a déclaré qu'il était possible que cette variante circule déjà en France. A noter au passage que l'Afrique du Sud a aussi annoncé à son tour avoir détecté une nouvelle variante du coronavirus. Comme au Royaume-Uni, cette mutation semble se propager beaucoup plus vite, mais au-delà de ça, elle semble aussi toucher davantage les patients plus jeunes. Donc logiquement, il faut aussi être vigilant avec cette mutation dans les jours à venir. Bref, les mutations de virus et de ce coronavirus notamment, il y en a en permanence, donc le simple fait qu'il y ait une mutation ne rend pas la situation plus grave, mais là en l'occurrence aujourd'hui et ces derniers jours, c'est des mutations qui ont l'air au moins d'accélérer fortement la propagation du virus, d'où les mesures donc qui ont été prises ces derniers jours. Peut-être d'ailleurs qu'on a fait notre rewind 2020 un poil trop tôt au vu de l'actualité en ce moment, mais évidemment du coup on vous tient au courant dans les jours à venir, dans ces vidéos d'actualité, ainsi que sur Instagram, vous le savez, dans nos débriefs quotidiens et autres contenus qu'on poste chaque soir. En bref, comme chaque jour, pour compléter, voici des actualités supplémentaires importantes en moins d'une minute. Première info, en France, près d'un jeune sur deux ne fait pas confiance à la police, selon une étude menée par OpinionWay pour le média 20 minutes. Autre chiffre intéressant révélé par cette étude, 79% des jeunes de 18 à 30 ans estiment que les violences policières existent et 48% des jeunes pensent que la police est raciste. Alors tout de même, pour nuancer, on notera que 65% affirment que seule une infime partie des policiers sont responsables des violences policières et pas tous les policiers. Si vous voulez plus d'informations, évidemment vous le savez, je vous mets des liens directement en description. Deuxième info qui tient en une phrase, ça va être très rapide, le socialiste Benoît Payan devient le maire de la ville de Marseille après la démission de l'écologiste Michel Rubirola pour notamment des raisons de santé. Autre info, en France, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé la création pour 2021 d'une plateforme pour permettre aux Français de signaler des points de deal, c'est-à-dire donc des endroits sur la voie publique où les trafiquants vendent des produits stupéfiants, que ce soit du cannabis ou alors de la cocaïne. L'objectif, selon le gouvernement, avec cette plateforme, il est simple, permettre aux citoyens de participer à la lutte contre le trafic de drogue. Enfin, dernière info assez insolite, cette fois-ci au Danemark, 4 millions de visons avaient été abattus et enterrés en urgence pour lutter contre une mutation du Covid qui circulait chez eux il y a quelques semaines. Et bien, en l'occurrence, on a du nouveau puisque ces 4 millions de visons vont être déterrés pour éviter la pollution des sols. En effet, les cadavres seront sortis de terre puis incinérés dans 6 mois lorsque le risque de contagion aura complètement disparu, donc a priori c'est sûr, mais on va pas se mentir, ça fait un peu bizarre. Le débat vendredi c'était le suivant, vous avez d'ailleurs été près de 500 000 à participer, êtes-vous favorable à l'idée d'un passeport vert pour les personnes vaccinées? Vous le voyez actuellement avec les résultats, vous êtes une majorité à penser que non, il ne faut pas donner des accès spéciaux pour les personnes vaccinées, des accès spéciaux par exemple pour les restaurants ou encore les bars. Quant au débat du jour, autrement je vous l'ai déjà annoncé, ça concerne les Miss France, du coup c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à voir notre rewind de 2020, une petite fiche apparaît en haut à droite et je vous mets aussi le lien directement en description. Rendez-vous aussi sur Instagram pour suivre nos résumés quotidiens de l'actualité et les autres posts et quiz qu'on peut faire directement là-bas. Je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.